un deuxième tour qui va démarrer immédiatement avec les vélos parce que je crois que vous les avez aimés. Alors si vous les voulez ici avec moi sur le podium. Qui retrouve cette zone de pépites d'or géante, oui. Albert Loris Gubian, qui a participé l'année dernière au championnat du monde de X-Trial. Un point de pénalité, mais c'est pas grave. Regardez le passage là maintenant. Ça devrait se faire. Regardez bien. Alors là, il va avoir besoin de vous pour. Il le fait quand même pas mal. Il remonte de sa moto. Deux points de pénalité pour Loris Gubian. Un troisième pied de posée avec le carter. Attention, il ne faut plus en poser. Mais là, regardez ce qu'il se passe devant Loris. Cette marche monstrueuse. Et c'est un échec. Allez, on applaudit Loris. Jérôme Fajardo nous a fait un très joli passage, mais un point de pénalité quand même. Albert Cabestani. Qui va redescendre. Le freinage a été un petit peu limite, mais c'est passé. Albert qui continue dans sa lancée. Il sait qu'il doit gagner du temps sur ces zones qui sont franchissables sans trop de difficultés. Oh oui, vous avez vu là aussi, pas de contact avec la moto sur le bloc de béton. La descente pour Albert. Parfait. Allez, la sortie. Et on va commencer à mettre un petit peu de son pour le voir sortir de cette zone. Vous allez voir, il va vous faire le festival. Albert Cabestani, c'est fait! Ses esprits. Parfait la montée, la descente maintenant, vous l'avez vu, le freinage est compliqué. Oh, c'est beau. Alors attention maintenant, c'est là que se complique un petit peu la situation pour les pilotes à cet endroit précis de la zone. Alex va devoir poser la roue avant sur la buse, certainement partir, arrêter, monter sur le haut de la vague. Pour la sécurité bien sûr, le suiveur se met à la hauteur. Allez, Alex, Toulouse est derrière, on y va avec lui, s'il vous plaît. Un point de pénalité, mais c'est bien joué de la part d'Alex Ferrer. La descente, elle n'est pas facile, mais il l'a fait, Alexandre Ferrer. La sortie, un point de pénalité. Il pose sa moto sur ses lingots d'or. Monsieur Tolibou, tout le temps sur la roue arrière,
la sortie, vous la voulez rapidement, eh bien, je vous laisse avec lui, vous tapez des mains et vous regardez. Allez, on y va! Regardez bien ce qu'il va faire. Il a voulu en rajouter un point de pénalité pour Tony Boo, mais il va vous le refaire. Regardez bien. C'est parti. Le coffre à bijoux. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Que ce soir, il a vraiment envie de s'amuser, il a envie de vous faire plaisir, alors faites-lui du plaisir, faites-lui comprendre que vous êtes là, Tony Boo, qui va peut-être, regardez bien, sur la bague dessinée par Jean-Luc Lemaire, regardez le passage sur la bague là-haut, regardez bien. Je me tais et je vous laisse regarder. Attention, regardez le chrono, 3 minutes 34, 3 minutes 34 pour Tony Boo seulement, ça va très très vite. Si vous voulez qu'il aille vite, hein, je vais vous dire juste un petit truc, comme ça vous faites. Cette zone, eh bien, je sens que c'est parti pour, parce que il m'a dit tout à l'heure, lorsqu'on s'est vu, c'est beau, le public à Toulouse est formidable, les zones sont superbes et j'ai envie de leur faire plaisir. Aïe, un petit point de posé, c'est pas grave. Allez, Tony, 2 points de pénalité pour l'instant, mais pas de pénalité de temps. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Tony? Est-ce qu'il va aller vite pour terminer dans les 7 minutes? Eh bien, je vous laisse avec lui. Allez, avec un petit fond de musique léger, manière que ça vous donne envie de taper dans les mains. On y va! Allez, tapez les mains, fais du bruit. Les 7 minutes, est-ce qu'il va le faire à moins de 7 minutes? Vous le voulez? Allez, plus fort, plus fort, plus fort! Il lui reste plus d'une minute. Et regardez, monsieur Tony Boo, il est là-haut. Tony, allez, allez. Regardez si c'est beau, à plus de 10 mètres de haut, monsieur Tony. Déjà parcouru les 4 premières zones, va-t-il vous faire l'enchaînement de diable qu'il peut faire peut-être dans cette zone? Eh bien, je sens que c'est parti pour, parce que il m'a dit tout à l'heure, lorsqu'on s'est vu, c'est beau,
Le public à Toulouse est formidable, les zones sont superbes et j'ai envie de leur faire plaisir. Aïe, un petit point de posé, c'est pas grave. Allez, Tony, 2 points de pénalité pour l'instant, mais pas de pénalité de temps. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Tony? Est-ce qu'il va aller vite pour terminer dans les 7 minutes? Eh bien, je vous laisse avec lui. Allez, avec un petit fond de musique léger, manière que ça vous donne envie de taper dans les mains. On y va, allez! Allez, tape des mains, fais du bruit. Les 7 minutes, est-ce qu'il va le faire à moins de 7 minutes? Vous le voulez? Allez, plus fort, plus fort, plus fort! Il lui reste plus d'une minute. Et regardez, monsieur Tony Mou, il est là-haut. Tony, hey, hey! Regardez si c'est beau, à plus de 10 mètres de haut, monsieur! Allez, j'ai l'impression qu'Abessandi a quelques fans dans le public, alors vous allez le lui dire. 3, 2, 1, top départ! Allez, à la mer! Oh, c'est beau, ça mérite un petit peu plus d'applaudissements, s'il vous plaît! Oh que c'est beau! Oh regardez, regardez ce qu'a fait Albert, il a fait un petit peu trop! Malheureusement c'est un échec. Allez, on l'applaudit! Aïe, échec malheureusement pour Loris. 3, 2, 1, top! Vous pouvez applaudir, bien sûr. Un point de pénalité, mais il s'est rattrapé le... C'est là qu'il ne faut pas mettre le deuxième pied, parce que 3 et 2, 5, il serait à égalité avec Ada Braga. Oh, la tension est à son maximum. Que va faire Tony dans ce passage-là? Va-t-il tenter le diable de rester sur la roue arrière pour ne pas toucher le carter? Attention, le temps. 2 points jugés par les commissaires. Moi, je mets une de bien. Vous pouvez applaudir, bien sûr. Le geste était parfait. Pour l'instant, personne n'est monté sans toucher le carter moteur. Tony Mou sera-t-il le premier? Incroyable! Incroyable, le garçon! Et regardez la sortie. Il lui reste 25 secondes. Va-t-il nous faire quelque chose d'incroyable? Va-t-il assurer? Il assure, Tony, il assure. Ouais, voilà, c'est juste pour vous. 4 points pour Adam Braga. C'est serré. 3, 2, 1, top départ. Que va faire Tony Mou sur la buse là-haut? Il sait qu'il n'y a qu'un point d'écart, il ne peut pas prendre de risque. Il peut juste peut-être essayer de vous faire plaisir. Que va-t-il faire? Regardez, il regarde. Non, il va descendre.